Les embouteillages, ce n'est pas qu'en ville. À Frontanon, et depuis une semaine, il faut aussi prendre son mal en patience. Des feux ont fait leur apparition et la circulation est alternée. Frontanon est sur la RT20, l'axe principal de l'île qui relie Bastia et Ajaccio. Plus de 8000 véhicules empruntent cette route chaque jour. Ça engendre beaucoup de panique et de risques aussi, parce que bon, tout le monde est pressé et c'est vrai qu'on prend des risques. Ouais. Ça n'a pas le choix, hein. Comment on va faire ? Au moins de descendre par la plaine, hein, et remonter par l'air. La raison principale des travaux, c'est ce virage. Il est trop serré. Et pour l'adoucir, le tracé de la route va être élargi. Elle passera là où se trouvent, pour l'heure, les engins de chantier. Et pour cela, il faut détruire la roche. Coût total du projet, 4 millions d'euros. Un tiers est supporté par la collectivité de Corse, le reste par l'État à travers le plan exceptionnel d'investissement. Pour la CDC, ces travaux étaient indispensables. Il fallait absolument améliorer ce tracé, adoucir les virages et faire la route beaucoup plus large. En même temps, on est dans une traverse, donc il fallait aussi également sécuriser un petit peu la circulation des piétons, faire des trottoirs et également des îlots centraux pour absolument réduire les vitesses de passage des automobilistes qui étaient très importantes dans la traverse de Frontanon. Plus de sécurité vaut bien quelques minutes d'attente. Et puis que les automobilistes pressés se rassurent, les travaux durent jusqu'à l'été prochain, mais la circulation dans les deux sens, elle, devrait être rétablie dans une quinzaine de jours.